Les invités sont sur le terrain juste dans le but de l'éliminer. Ils ne sont pas là pour sanctionner. Le but n'est pas de la mettre à sanctionner. On peut faire de telle manière que la paix est là de le siffler les buts, les sorties de ballon. Il ne faut pas qu'on joue trop violent. C'est très important. Après, quand on sera sur le terrain, on va oublier tous les élus et tout le monde sera. C'est très important. Pour connaître les arbitres. Nous sommes 7-7, un seul arbitre pour. Merci Hassan. Je commencerai par remercier l'ASC de Sonatel. Donc, je me présente Ousmane Dien, le directeur des entreprises de Sonatel. Et c'est vraiment un grand plaisir pour moi de lancer ce tournoi. Comme je vous le dis, donc, en tant que directeur des entreprises, d'avoir des entreprises qui participent à un tel tournoi organisé par OBS, c'est un grand plaisir pour moi. Donc, comme je le disais tout de suite, je remercie l'ASC qui a eu la bonne idée et qui nous en a parlé. Et donc, en collaboration avec l'ASC, donc le directeur, le président de l'ASC est là. Je le remercie. Donc, avec lui, on organise donc, ce tournoi. Comme Hassan l'a dit, je pense que l'objectif, c'est vraiment de créer un esprit d'équipe. D'abord, au sein de chaque entreprise, je pense que le fait même que les gens se retrouvent au sein même des entreprises, je pense que c'est une bonne chose. À plus forte raison, si c'est entre plusieurs entreprises, même la gendarmerie d'entreprise. Non, on est plus qu'une entreprise. On est plus qu'une entreprise. Donc voilà, donc c'est un grand plaisir donc, de vous avoir tous ici. Donc le message de fair play de Hassan, donc je voulais, donc je pense qu'il faut qu'on joue dans ce fair play là et qu'à la fin, que le meilleur gagne et que lundi tout le monde retourne. Au bureau, Inch'Allah, qu'il n'y ait pas de blessé. Donc, c'est vraiment le mot d'ordre et que le meilleur gagne. Donc, merci à tout à l'heure et j'espère que quand même le meilleur sera quand même. Merci, c'est important aussi, les équipes qui sont éliminées à l'issue des phases de poule, ce serait bien de rester sur la fin. Là, on va faire le pain pour tout le monde, pour toutes les équipes. Et c'est important qu'à la fin, tout le monde reste ici. S'il n'y a pas d'autres personnes qui arrivent, je à la fin, toutes les personnes qui seront présentes vont revenir sur la table pour faire une fête ensemble. Donc, un tout petit mot. Je voudrais quand même qu'on applaudisse pour Adja Kati. C'est elle qui a organisé tout ça. Merci Adja. Adja Kati. Je pense que pour juste l'esprit d'équipe, on a deux équipes orange qui sont présentes. Je vais les mettre dans deux poules pour ne pas derrière qu'on ait des calculs de fin de match. Donc Orange Business Service sera dans la poule A. Sonatel ASC sera dans la poule B. Comme ça, on est sûr qu'après, il n'y aura pas de soucis sur les derniers matchs. Maintenant, là où on est, c'est le terrain numéro 1. Le terrain qui est à côté à droite, c'est le terrain numéro 2. Les équipes qui seront dans la poule A vont jouer sur ces deux terrains-là. De l'autre côté, en face, c'est le terrain numéro 3. Et l'autre, en dernier, c'est le terrain numéro 4. Ce sera pour la poule B. Donc, on va procéder au tirage. La première équipe qui va sortir, ce sera A2. Ce sera poule de A. Et la deuxième qui sort, c'est pour la poule B. Comme ça, ainsi de suite, jusqu'à avoir les équipes. Après, je donnerai l'ordre des matchs et les terrains. Je sens une boule qui est toute chaude là, je ne sais pas c'est laquelle. Ça doit être la gendarmerie. La gendarmerie. Hein. Ils m'ont chopé les mains. C'est les mômes ne peuvent pas chever, ils n'ont pas de courant. Donc,
Donc, comme vous l'avez si bien entendu, nous sommes en tournoi international organisé par la Sonatel qui regroupe 6 à 7 équipes et sur beaucoup de terrains différents. Nous sommes ici au centre Dakar Sacré-Cœur. Donc, comme vous voyez ici, les gens, nous sommes tous réunis pour une seule cause, la paix au Sénégal et la paix dans le monde. C'est ça qui nous a réunis aujourd'hui. Et vraiment, c'est une bonne cause. À la tête, c'est la gendarmerie, comme vous l'avez vu, bien vu le tirage au sort. C'est la gendarmerie qui est sortie premier. Donc, je vais essayer d'appréhender une seule personne. Monsieur, comment vous avez vu l'organisation de ce tournoi-là? À part le retard, ben, ça se passe bien, ça allait bien. Ah oui. Donc, j'espère qu'à la fin, Bolloré va gagner. Vous êtes de quelle équipe? Bolloré. Bolloré, yes. C'est le Bolloré international. Oui, international. Merci beaucoup. Monsieur le directeur, votre premier mot? Ben, le plaisir, ouais. Comme j'ai dit tout à l'heure, là, d'être ici entre des entreprises et la gendarmerie. C'est vraiment un grand plaisir d'être là et voilà, ben, okay. De pouvoir. Toutes ces équipes donc jouer dans le fair play, donc c'est un peu le mot d'ordre. Vous êtes l'initiateur de ce tournoi? Oui. Quel est le but et l'objectif que vous cherchez dans ce tournoi? Le but, c'est déjà de leur montrer que OBS est là pour les entreprises. OBS, c'est quoi? Orange Business Services. Okay. C'est la marque destinée aux entreprises et aux organisations. Mmh. C'est la marque Orange qui est dédiée aux entreprises et aux organisations. C'est déjà ça, quoi. Le premier but, c'est de regrouper les entreprises et les organisations dans un cadre vraiment ludique et pouvoir se connaître mieux. Et voilà, quoi. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci. Bon, Captain, comment vous avez vu le tirage? Bon, c'est un tirage, comment dirais-je, abordable. Abordable. Cool, abordable. Vous êtes confiant? On a toutes nos chances de sortir. Merci beaucoup. Donc ici c'est l'équipe de la gendarmerie qui est en plein réchauffement et il va rencontrer certainement les oranges de la Sonatel, Sonatel Belgium, j'espère.